Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venu assister à la conférence autour du Louvre-Lens. On va essayer de se concentrer après ce bon buffet, ces délicieux vins. Et j'en profite pour remercier Rhône Tourisme pour son invitation et pour l'organisation. Donc ce que je vais faire, c'est sur un court laps de temps, vous présenter à la fois notre méthodologie, ce que nous faisons à la mission Hall autour du Louvre-Lens, et puis faire une déclinaison, comme le titre de la conférence, sur la question des objets, des produits que nous avons déployés à partir de notre démarche. Alors, je vais être obligé de rester de ce côté-là, puisque je crois que pour la captation vidéo, c'est mieux. Alors, notre mission Hall autour du Louvre-Lens est une mission d'ingénierie touristique qui a été créée un peu avant l'arrivée et l'implantation du musée du Louvre à Lens, et un peu avant l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc notre mission s'est implantée en décembre 2010, avec un objectif à la fois assez clair et complexe, c'est d'imaginer, de créer et de faire émerger une nouvelle destination touristique autour du tourisme culturel, autour du court séjour culturel et du court séjour événementiel, sur un territoire qui a vécu pendant 2 siècles et demi principalement d'extraction charbonnière, avec tous les critères de reconversion qu'il fallait appliquer à un territoire qui a dû se réinventer et qui devait en partie se réinventer par la culture. Donc nous, notre rôle, c'est de porter des stratégies touristiques régionales, des stratégies d'État, les stratégies locales, et de mettre de la valeur ajoutée créative dans toute la filière pour construire cette nouvelle destination à moyen et à long terme. Donc notre mission avait à l'origine un objectif de 3 ans. Ça fait 10 ans que nous sommes en place. On pense qu'il y a encore une dizaine d'années de travaux et de chantiers devant nous. Et cette destination autour du Louvre-Lens, qui se développe sur le périmètre du bassin minier Nord et Pas-de-Calais, s'articule avec d'autres portes d'entrée touristiques du département du Pas-de-Calais, que sont la Côte d'Opale, Valais et Marais, donc les 3 destinations de Pas-de-Calais Tourisme, et puis évidemment l'agglomération lilloise pour augmenter les séjours. Donc notre mission avait un objectif, c'était de passer de la demi-journée de visite au musée, à la journée et à la nuitée pour créer de l'économie touristique sur ce territoire. Donc cette mission est financée et portée par Pas-de-Calais Tourisme, le département du Pas-de-Calais, avec au démarrage de cette mission un financement d'État qui arrive ponctuellement aussi sur différentes opérations. Donc on se situe, pour ceux qui ont un petit problème de géographie, c'est vrai que ce n'est pas simple de nous positionner géographiquement, voilà, au sud de l'île, une destination voilà, entre Béthune et Valenciennes, mais avec un positionnement géographique plutôt très intéressant, puisqu'à proximité et à portée de grandes capitales européennes. Donc vous voyez, 1 heure de Paris en TGV, 4 heures de Londres, 1h40 de Bruxelles, 30 minutes de Lille, 1h45 de Berlin en avion. Donc, sur un périmètre de 300 km, vous avez à peu près 100 millions d'habitants, donc avec un fort potentiel en termes de visitorat internationaux sur cette destination qui, plus précisément, est sur ce périmètre-là, entre Béthune et Valenciennes, sur 2 départements, 7 intercommunalités. Alors, je vous disais que nous étions financés par le département du Pas-de-Calais, mais nous intervenons aussi sur la partie nord, puisqu'il y a une continuité du bassin minier sur cette partie-là, du côté de Valenciennes et de Douai. Alors, les petits cercles que vous voyez, le petit carré au centre, ce sont nos champs d'intervention. Donc, on intervient par champ concentrique. Donc, d'abord, des interventions auprès de la filière touristique à proximité du musée du Louvre-Lens, sur l'agglomération de Lens-les-Bains, puis à 30 minutes en voiture autour du Louvre-Lens, donc un modèle d'économie touristique. Au-delà de 30 minutes, voilà, il faut des points d'intérêt très sérieux. Et ensuite, sur l'ensemble du bassin minier, qui représente à peu près 1 million d'habitants et 100 km de long. Donc voilà le musée du Louvre-Lens, inauguré le 4 décembre 2012, donc une date emblématique, puisque le 4 décembre, c'est la fête de la Sainte-Barbe, la fête des mineurs de tous les métiers liés au feu, donc les artificiers, les mineurs, les pompiers, donc date symbolique. Cette implantation est liée à la décentralisation culturelle voulue par le gouvernement. Donc c'est après le musée Pompidou à Metz, le Louvre-Lens a ouvert. Il a aussi fait des petits au Moyen-Orient, on y reviendra après, sur Abu Dhabi. Donc voilà, sur un parc d'une 20aine d'hectares, vous avez un nouveau Louvre qui s'est implanté, avec une particularité, c'est qu'il présente de manière chronologique les œuvres. Donc vous avez 3 millénaires d'histoire d'un seul tenant, avec des œuvres qui sont régulièrement renouvelées par le musée du Louvre Paris, et puis par d'autres musées.
Dernièrement, nous avons la chance d'accueillir aussi les réserves du Louvre, à proximité du Louvre-Lens. Vous avez les réserves du Louvre de Paris qui se sont implantées. Et aujourd'hui, il y a un déménagement des œuvres de Paris sur ce secteur-là. Donc voilà, une vraie dynamique culturelle sur un bassin industriel pour lui permettre d'accompagner à sa régénération. Voilà, une entrée gratuite. Alors jusqu'en décembre 2016, il y a une erreur, mais l'entrée est toujours gratuite pour la Galerie du Temps, avec de grandes expositions temporaires. Actuellement, ce sont les Louvres de Picasso, et bientôt, et c'est aussi en lien avec le lieu où nous sommes, Rome, en 2022. Et puis autour de ce musée, voilà un territoire industriel façonné par les hommes, un territoire minier très différenciant, très prenant, à partir duquel on va travailler, nous, et décliner une stratégie de marque et évidemment des produits, des objets et toute une communication autour de cet univers minier. Voilà, donc deux terris jumeaux en toute proximité en visibilité du musée du Louvre-Lens, les deux terris les plus hauts d'Europe. Là aussi, des inscriptions au patrimoine mondial de l'humanité sur tout ce secteur et une vraie attraction pour des visiteurs qui, au départ, venaient pour le musée du Louvre-Lens et aujourd'hui viennent de plus en plus pour aller plus loin, aller autour du Louvre-Lens. C'est bien l'objectif de notre mission de faire l'interface entre un grand musée et son territoire et comment on fait des connexions et on fait des effets rebonds sur des visiteurs. Voilà, inscrit là aussi au patrimoine mondial. Nous avons aussi d'autres sites inscrits au patrimoine mondial, les Géants du Nord, les Beffrois et une citadelle à Vauban sur la ville d'Arras. Alors tout notre travail, c'était de faire une approche très, très sociologique, si je puis dire, très iconographique. C'est comment ce territoire, qui souffre de clichés, qui a plutôt un passé industriel, comment on va se définir, comment on va travailler une identité à la fois très vraie, très authentique, mais qui nous transporte dans un univers plus contemporain. Donc ça, c'était un vrai travail de réflexion. Alors, on a mené beaucoup d'enquêtes avec les habitants, avec les sociopros, un gros travail iconographique. On a fait travailler l'agence Trend Union, qui sont des prospectivistes, qui travaillent pour des grandes entreprises, pour des territoires. Est-ce que ce territoire a une valeur actuellement et dans un futur proche? Est-ce qu'il y a un intérêt pour des visiteurs d'aller au-delà de la visite du musée du Louvre-Lens? Voilà, comment élaborer un concept fort, exprimer une vraie personnalité sans faire du copier-coller d'autres destinations industrielles. Évidemment, on a fait du benchmark sur Manchester, sur Bilbao, à Hambourg, à Liverpool avec la Tate, donc, ou au Havre, par exemple. Donc, beaucoup de destinations qui ont misé sur la culture. Et nous, notre objectif, ce n'était pas de faire un coup, mais vraiment de développer un concept ancré et partagé. Alors, notre démarche, elle s'appuie sur un process de design, c'est-à-dire systématiquement, pour accompagner, imaginer des nouveaux services, imaginer des nouvelles offres, on fait de la co-création et on met l'utilisateur au centre. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de co-créer avec des professionnels, des habitants, des spécialistes, à partir des besoins de ce territoire en termes de qualification de destination. Donc, cette démarche design, on l'applique voilà, sur tout le bassin minier, sur toute la filière. Beaucoup de designers sont à nos côtés, beaucoup de créatifs, là aussi, pour penser les nouveaux services. Donc on a aussi la chance de pouvoir expérimenter, de pouvoir tester, de pouvoir prototyper, de pouvoir parfois se tromper. L'objectif pour nous, c'est vraiment de penser, comme on dit classiquement, au tourisme de demain, de se dire que cette destination qui doit rentrer dans le catalogue France, doit, de par sa démarche, de par son innovation, sa créativité, se démarquer et représenter une destination de court séjour prisée à l'échelle internationale. Donc voilà, un gros travail au départ sur c'est quoi notre culture, c'est quoi notre identité. Et voilà, donc du coup, tout un travail d'analyse de valeur a été mis en place. Des enquêtes, de l'iconographie, un gros travail de lecture. Et il y a eu une série de valeurs, fierté, passion, fidélité, labeur, simplicité, spontanéité, authenticité, solidarité. Donc des valeurs qui colle à ce territoire, voilà, un esprit de famille très proche, un esprit intergénérationnel, des relations intergénérationnelles très présentes, et puis une esthétique très intéressante pour nous. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur ce socle de valeurs humaines pour déployer des opérations, de la communication et des objets. Voilà, revendiquer l'histoire ouvrière avec à la fois des codes couleurs et des valeurs humaines, voilà, très prégnants pour nous. S'inspirer voilà, des fêtes traditionnelles des mineurs, les fêtes de la Sainte-Barbe, et sur votre gauche, c'est la cité des électriciens qui n'est plus dans cet état, mais qui accueillait il y a encore 5 ans des compagnies artistiques d'art contemporain.
Là, c'était les pas perdus. Et cette cité-là, vous la verrez après, a été complètement réhabilitée. Et c'est dans cette cité qu'a été tournée une partie de Bienvenue chez les Ch'tis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, d'un point de vue politique, il y a eu deux choix possibles. Soit on s'appuyait sur le tournage du film, soit on partait plutôt dans une valorisation du patrimoine. Et c'est le deuxième choix qui a été fait par les décideurs. Donc voilà. Donc l'idée pour nous, c'est vraiment de faire des allers-retours entre modernité, passé. Un aspect très fort aussi du Nord, c'est être ensemble, c'est jouer collectif, que ce soit dans les habitations, que ce soit ensemble. Donc on a toujours cette notion de valeurs humaines, de travailler ensemble, de jouer collectif. Et on pense que toutes ces valeurs-là sont inscrites dans les tendances sociétales. Donc on va capitaliser sur cet aspect-là. Voilà, des urbanisations concentriques, magnétiques, qui reflètent cette notion de collectif. Voilà, des harmonies même dans les photographies, dans l'organisation ancienne des mines. Voilà, on a des visuels très forts. On joue cette notion de collectif. On va jouer sur certains coloris. Voilà, on a carrément même une lampisterie. Là, nous sommes au centre historique minier de Leeward. C'est carrément une exposition, hein, sans le vouloir. Donc, toutes ces esthétiques, nous, on va capitaliser dessus pour travailler. Voilà, les empreintes, les premières empreintes, là, les fossiles que l'on retrouve sur les terrils qui sont très prisés par les visiteurs. Donc comment, à partir de ces premières photographies humaines, si je puis dire, on va, nous, travailler le noir, des graphismes un peu spécifiques. Et puis, évidemment, l'humour du Nord, la joie de vivre, qui est aussi très importante. Ici, vous avez les géants de Douai, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Donc comment, voilà, toutes ces fêtes du Nord, les carnavals, les Ducasses, et là, la fête des Gaillans à Douai, comment on va capitaliser sur ces éléments patrimoniaux, du patrimoine immatériel, historique. Les canaux, évidemment, les canaux du Nord, donc ça, c'est aussi, ça fait partie intégrante du paysage du Nord. Une sorte de mélancolie, de monotonie, sur laquelle on va travailler. Pas très loin du musée du Louvre-Lens, vous avez aussi les fronts de la Première Guerre mondiale avec une ligne de front qui était tenue par les armées du Commonwealth. Donc là, vous êtes sur le site de Vimy, qui est un site canadien qui a été donné au Canada et qui, voilà, est un lieu de commémoration de la bataille de Vimy. Donc un lieu très fort, très mélancolique, sur lequel on va aussi capitaliser avec toutes ces couleurs. L'art déco est très présent. C'est un territoire qui a été rasé par la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, donc là aussi, comment cette architecture, très contemporaine pour l'époque, on va aussi s'appuyer dessus. Ici, c'est la piscine de Bruay-la-Bussière, qui a fait l'objet de plusieurs shootings photos, donc des lieux qui étaient mis à disposition du coup des mineurs. Évidemment, on ne peut pas passer à côté du foot. Lieu emblématique, des émotions fortes, collectives. Le parcours client, évidemment, c'est le Louvre-Lens, c'est monter en haut d'un terri, c'est découvrir des façades art déco, mais c'est évidemment faire un avant-match, faire un match et faire un après-match, puisque là, vous vivez une émotion très forte, que ce soit à la baraque à frites ou pendant le match. Donc, on va jouer sur des hybridations d'offres, sport et culture, qui sont aussi dans l'imaginaire des visiteurs, pour lesquels, voilà, on sait que ce territoire a des clichés, on les a tous repérés, mais comment il y a un avant et après visite, puisque ce territoire, lorsqu'on y vient, on a des clichés, que lorsqu'on en repart, on a une vision un peu plus à la fois contemporaine et on vit des émotions culturelles très fortes. Territoire d'immigration, hein, pour l'activité des mines, donc là, c'est la communauté polonaise. Une personne sur trois est d'origine ou est polonaise, donc on va capitaliser, là, par exemple, sur l'artisanat polonais, donc comment après on va travailler des produits à partir de ce melting pot, de ce patchwork de culture. Et puis, voilà, c'est comment aujourd'hui, là, sur les terrils, sur les sites industriels, la nature reprend ses droits, comment on va capitaliser sur un renouveau, là, pour le coup, des nouveaux écosystèmes sur les terrils, et comment, à partir de là, on va avoir un nouveau récit, un nouveau discours. Voilà, comment, dans des lieux industriels, on va pouvoir implanter des restaurations éphémères, plus contemporaines, mais qui, toujours, à leur manière, vont valoriser l'histoire industrielle, l'architecture industrielle et l'épopée des mineurs. Voilà la chicorée Leroux, par exemple, comment, à partir là, d'une,
d'une image un peu voilà, traditionnelle, on va pouvoir nous travailler, là aussi, avec des designers, des créatifs, à des, peut-être des nouveaux modes de distribution, des nouveaux modes de valorisation, ou mettre la chicorée au goût du jour dans certains plats. Voilà, évidemment, la baraque à frites, incontournable, un point de ralliement, un lieu de reconnaissance. Comment, à partir de là, on va nous réinventer, sans réinventer, mais en tout cas donner une image plus contemporaine de la baraque à frites. Je rappelle que c'est de la street food, hein, c'est une vraie tendance internationale qui est ancrée dans le nord de la France et en particulier sur notre destination. Voilà, la frite, bien sûr, mais là aussi, peut-être qu'on peut imaginer des nouveaux services, des nouvelles applications, des nouveaux dispositifs pour rendre la frite plus contemporaine, mais tout en restant authentique, puisque une baraque à frites et une dégustation de frites, ça fait partie du parcours client. Voilà, on parlait de gigantisme. Donc nous, on a fait beaucoup de scénarios, on a travaillé beaucoup à des pistes d'événementiel, de création. Donc ça, c'est notre rôle aussi d'être un peu dans une forme de laboratoire, de mise en perspective, de donner des hypothèses de développement aux décideurs publics ou privés. Donc là, voilà, comment travailler le gigantisme dans une ville comme la ville de Douai, qui est la capitale des géants. Comment réinventer la machinerie industrielle des mines sur les grands sites miniers. Comment voilà, on la transforme, on lui donne vie. Donc ça, ce sont des pistes d'événementiel qui ont été proposées, sur lesquelles on a travaillé avec des directeurs artistiques. Voilà, un beffroi, comment le beffroi de Douai, le plus vieux beffroi des Hauts-de-France, on lui redonne vie. Là, c'est un projet qui s'appelle La Tour sans fin, donc un beffroi qui ne s'arrête jamais d'année en année, qui monte. Donc, comment il devient aussi interactif avec les habitants, comment il y a de la co-création aussi avec les habitants. Donc, voilà, nous, on est vraiment dans cette idée de donner des pistes, des scénarios, de prototyper, de tester. Donc, un peu dans la, voilà, de manière un peu caricaturale, mais la colombophilie, qui est une tradition des mineurs, hein, d'ailleurs pas que dans le nord de la France, mais sur beaucoup de sites miniers aussi en Angleterre. Donc, comment cette activité traditionnelle est l'ancêtre de Twitter. Donc, vous voyez, on va toujours être sur une articulation passé, avenir, comment ce territoire a des éléments intégré, si je puis dire, un ADN qui lui permet de parler au monde et de se déployer à l'international ou au national. Donc, petite phrase, une petite citation, c'est Pierre qui disait ça, il faut toujours en placer une dans une présentation. Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux. Donc, c'est comment on porte un nouveau regard sur un territoire industriel qui a souffert, certes, mais qui aujourd'hui est en plein redynamisme et rattrape son retard socio-économique par rapport à d'autres territoires français. Marcel Proust. Alors, de toute cette mécanique d'analyse, on a déterminé un code graphique. On a travaillé à comment on s'appelle tous ensemble. Chaque agglomération a sa propre stratégie, a ses propres marques. Le Nord a sa marque, le Pas-de-Calais a sa marque. Mais comment, sur cette unité minière, sur ce filon minier, on arrive à se retrouver. Donc, on a fait travailler des graphistes sur comment on peut se représenter visuellement et graphiquement. Donc, vous voyez, on part des briques, et puis il y a eu tout un travail d'iconographie et de graphisme qui a été fait. Et puis, voilà, les géants, bon, on a pris des éléments un peu emblématiques, ça aurait pu être les terriers aussi, hein, évidemment. Et on est arrivé au dénominateur commun qui était all autour du Louvre-Lens, dénominateur commun de tous les opérateurs touristiques sur ce territoire. All, c'est aussi être ensemble, c'est une démarche collective, all together, donc on peut le placer en français et en anglais d'ailleurs, around Louvre-Lens, autour du Louvre-Lens. Donc c'est pour nous à la fois une marque autour du Louvre-Lens, une marque de Pas-de-Calais Tourisme, mais aussi une dynamique collective d'attractivité à partir desquelles on se retrouve autour d'un socle de valeurs communes. Donc voilà la marque qui va se décliner, enfin qui se décline, je veux dire, sur différents supports numériques, papier ou autres. Et puis, on y reviendra, mais comment cette marque-là, ensuite, on peut la retrouver sur des produits, sur des packagings à partir desquels nous, on va communiquer. Donc, on a déterminé un dress code, on a relooké des produits, vous le verrez, on a créé des nouveaux produits inspirés de l'épopée minière, inspirés du noir charbon, inspirés des esthétiques ouvrières, voilà, et puis, évidemment, à partir des savoir-faire traditionnels de cette destination. Tout ce travail d'analyse, on l'a nous traduit dans des carnets de tendances que l'on remet aux porteurs de projets. Donc on a aujourd'hui 4 carnets de tendances, il y en a un cinquième qui va sortir bientôt sur les espaces publics. Donc on a un carnet sur, et là, Émilie qui tient le stand sur les produits pourrait vous en remettre. Donc un premier carnet, qui est un carnet qui est une synthèse des valeurs de cette destination, donc que l'on remet.
Ce sont des carnets d'inspiration. On n'est pas là, on n'oblige personne à les appliquer. Nous en avons un sur le shopping. Comment s'inspirer d'un shopping à partir de nos valeurs. On en a un sur le culinaire. Et puis, nous en avons un sur les hébergements. Comment des hôteliers, des investisseurs hôteliers peuvent créer une expérience, en tout cas incuber ou infuser l'ADN de cette destination dans leurs activités et dans leurs prestations de services. Alors évidemment, à partir de tout ce travail, il y a une vraie mine de débouchés, donc on peut tout à fait imaginer des gammes d'objets, des gammes de services. Donc la brique, élément identitaire du Nord, donc la brique dans tous ses états, on a même réalisé des expositions autour de la brique qui pouvait paraître pour les habitants un peu passéiste, comme le noir charbon, est-ce qu'on revient sur la brique, est-ce qu'il faut vraiment l'exploiter? Nous, au contraire, on va pousser ces éléments-là, ils font partie de l'environnement, ils font partie du décor, et on sait que les expositions autour de la brique, on le vend en poupe au niveau international, et c'est un matériau qui revient en force. Donc voilà des corons, une monotonie de corons, comme ça, sur lesquels on va nous travailler. Voilà, la cité des électriciens, donc l'image que je vous ai présentée au tout début, qui était complètement réhabilitée. Nous sommes intervenus sur les hébergements, sur les gîtes et sur le culinaire au sein de cette cité. Donc c'est un centre d'interprétation du patrimoine minier, réalisé par l'architecte Prost. Donc c'est une très belle cité où vous avez des activités variées, autour des potagers, en particulier des potagers ouvriers. Un hôtel en face du Louvre-Lens, donc pareil, comment dans un ancien coron, on travaille avec un bailleur social et avec une société hôtelière, Esprit de France, pour la nommer, on travaille du coup à aménager un nouvel hôtel en face du musée du Louvre, mais qui raconte une histoire, qui respecte le passé, qui respecte les lieux et son histoire. Donc ça, c'est tout un travail que nous menons. On fait, par exemple, de l'économie hôtelière, on fait de la programmation hôtelière. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est vraiment l'analyse, l'approche créative et le respect des valeurs qu'on implante dans ces différentes activités. Donc voilà des exemples d'une des chambres de cet hôtel. Et puis la brique, voilà, des premiers objets dérivés. Je vais en placer quelques-uns dans ma présentation. Voilà. Des objets briques, donc là, qui ont été faits avec la briqueterie L'Amour, une briqueterie artisanale, qui est basée dans le nord de la France, enfin dans le département du Nord, plus précisément. Voilà. Comment cet objet emblématique, eh bien, on va le travailler et sortir des séries pour les vendre au grand public et pour aussi en faire des cadeaux protocolaires. Voilà, ça s'est inspiré des arts de la table. Donc ça, ce n'est pas des produits que nous avons réalisés, mais c'est de l'inspiration. Et puis le noir charbon. Comment le noir va être pour nous s'inscrire dans une stratégie de valeur et comment on va l'assumer, un noir esthétique, un noir qui magnifie. Et par exemple, dans les mines, les lampisteries, comment, à partir d'une lampe de mineur, on va pouvoir travailler un nouvel objet, un nouveau produit. Et nous avons réalisé un concours. Émilie, qui a suivi ça... de l'équipe Hall pourrait très bien en parler. Donc voilà, on a fait venir, on a composé un jury, alors des chefs de projet en design, des journalistes, des spécialistes de la distribution, la directrice du Louvre-Lens, la directrice des responsables de communication du musée de la mine de Le Ward, Lidwige Lelcourt, qui est une grande designer qui a beaucoup travaillé à nos côtés, Marie Lavandier, la directrice du musée du Louvre-Lens. Voilà, des responsables de design, un designer de chez Cartier, une responsable de boutique. On a fait travailler, on a lancé un concours pour imaginer une nouvelle lampe de mineur, réinventer la lampe de mineur. Donc ça, c'était une vraie belle opération qu'on a menée avec l'ensemble de nos partenaires. Et les heureux lauréats ont été Camille Coram et Jean-Baptiste Ricat, donc des designers enseignants à l'ESAT de Roubaix. Donc à partir de leurs esquisses, de leurs prototypes, on les a sélectionnés collectivement. Et aujourd'hui, voilà, on a abouti à un photophore, une lampe de mineur, qui a été travaillée aussi, alors pas uniquement avec des produits du Nord, mais avec porcelaine de Limoges en particulier. Donc tout ce travail, voilà, à partir d'un appel à projet, a abouti à une lampe très contemporaine. Comment on revisite l'histoire minière à partir d'un objet? Et cet objet, aujourd'hui, est diffusé et vendu dans... un circuit de distribution, j'y reviendrai après. Évidemment, la cuisine, on sort d'un bon déjeuner. Comment on réinterprète et on interprète la cuisine du Nord, là, pareil, avec, vous voyez, le noir très présent, le brûlé, le caramélisé, comment on va jouer sur ces aspects-là, comment on va jouer aussi sur les banquets, les menus historiques en lien avec le musée du Louvre-Lens, ça, c'est aussi des sujets qui nous intéressent.
comment, voilà, à partir de l'immigration, comment on fait des mélanges, voilà, entre la confiserie du Nord, où beaucoup de bonbons sont produits dans le nord de la France, hein, et puis le thé à la menthe, hein, là, on fait référence du coup à l'immigration marocaine, comment on pourrait le faire avec l'immigration polonaise ou italienne. Donc voilà, on va jouer sur ce melting pot. Évidemment, la bière, qui est incontournable, avec sur notre secteur beaucoup de brasseurs qui ont été nommés au salon d'agriculture. Voilà, un noir affirmé, un noir culturel, un noir culinaire. Comment on va travailler là-dessus? Comment, voilà, tout ce qui tourne autour du noir, là en l'occurrence le réglisse, va nous inspirer ou inspirer des restaurateurs, des traiteurs, des torréfacteurs. Voilà, comment tout ça va nous amener vers une gamme qui va s'appuyer sur le noir. Comment, voilà, au lieu d'avoir des toques blanches, on pourra avoir des toques noires sur le nord de la France. Et voilà, second objet que nous avons réalisé avec des agriculteurs, avec la ferme aux Chiconettes, qui est au sud d'Arras, voilà, des confits de chicon. Donc c'est pour la traduction, c'est chutney d'endive. Hein. Donc voilà, comment avec eux, là on a retravaillé le packaging ensemble pour déployer un produit qui parle au consommateur et qui fait référence aux endives, produits dans le Nord bien entendu, comme beaucoup d'autres légumes souterrains. Voilà, un gâteau Terry. Donc ça, c'est un gâteau qu'on a travaillé avec Christian Gion, un designer culinaire, et puis une pâtisserie Janson à Lens. Donc voilà, une collaboration entre nous pour développer, voilà, une pâtisserie un peu identitaire, vous voyez, qui reprend la forme des Terry et la couleur un peu grise que parfois on peut retrouver sur le territoire. Alors ça va vous intéresser, ce sont des vignes qui sont plantées, la photo n'est pas très nette, hein, sur le terri d'Aillicourt. Donc voilà, c'était une expérimentation de plantation de vignes, donc c'est du chardonnay qui est sur le versant sud du terri, mais qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance puisque d'autres vignes vont être plantées. Donc voilà, au Pays de la Bière, on plante aussi des vignes. C'est vrai qu'aussi, bien avant, il y avait des vignes qui étaient plantées sur ce territoire. Mais là, on est vraiment sur un site industriel, puisque c'est quand même un terri qui était façonné par les hommes. Ce sont des déchets de charbon, hein, sur lesquels pousse cette vigne. Et voilà, il s'appelle, alors, petit jeu de mots, le charbonnet, donc qui est distribué aujourd'hui de manière un peu confidentielle dans certains événements. C'est une association qui gère la production et l'exploitation des vignes. Mais aujourd'hui, on a d'autres lieux qui vont planter des vignes. Alors là, nous sommes dans un parc départemental, le parc départemental d'Olin, dans le Pas-de-Calais, géré par le département du Pas-de-Calais. Donc voilà, c'est un grand espace de loisirs. Là, vous êtes sur les filets qui sont plantés en haut des arbres. Là aussi, des vignes vont être plantées. Donc nous, notre rôle, ça va être de réfléchir à la forme de la bouteille, au nom du vin, et comment on va ensuite le commercialiser. Donc c'est aussi, pour nous, voilà, une action, enfin des opérations qui vont rentrer dans notre champ de distribution. Tout ça se fait en co-création. Là, vous avez par exemple un exemple de brasseurs, de torréfacteurs, de cuisiniers. On a fait du brainstorming pendant des déjeuners, pendant des repas. Ça a très très bien fonctionné. Donc voilà, tout ça se fait dans un processus de co-création qui aboutit, là, en l'occurrence, comment on réinvente le briquet du mineur. Donc c'était le menu du mineur pour descendre au fond de la mine. Là, nous avons travaillé, par exemple, avec le chef de Perle du Nord, les endiviers, que vous connaissez, un chef belge, et des producteurs locaux. Donc on a revisité le menu du mineur, le briquet du mineur. Et ce menu-là, on l'a retrouvé dans un espace food à Courtrai, donc Courtrai en Belgique, hein, chez nos voisins flamands. C'est une clientèle cible. Donc on a gagné en 2016 un prix pour notre stand food, donc un prix du design, et nous avons pu vendre ce repas briquet du mineur dans cet espace-là. Donc l'idée, c'est de vendre à travers le menu toute la destination, tous les savoir-faire, un univers particulier. Voilà, vous voyez, qui reprend nos codes couleurs, mais à la fois très contemporain, avec un mur de briques fait par une briqueterie artisanale au fond. Donc voilà, pour nous, c'est à travers la carte de ce restaurant We Are Family, on l'a appelé, l'esprit de famille, on met en avant tous nos savoir-faire et une forme de modernité.
Voilà, donc des exemples où, là aussi, la question de l'aménagement de l'espace est importante. Il fallait qu'on soit dans une logique de convivialité, au sens strict, comme c'est indiqué, où on soit tous ensemble, les uns à côté des autres, voilà, pour rappeler ces valeurs du Nord, où on se retrouve souvent dans cet état d'esprit et cet esprit de fête. Alors, j'en parlais un peu, la restauration rapide, bien entendu, la street food. Comment adapter la baraque à frites aux cultures de la restauration nomade. Donc comment aujourd'hui, là aussi, comme je vous l'expliquais un peu en amont, on va travailler la friterie, ces nouveaux codes. On a par exemple travaillé des interventions de street artistes sur certaines friteries. Comment, voilà, à partir, quand on parle de durabilité, à partir d'une pomme de terre, on peut à la fois faire la frite, mais faire son cornet de frites. Donc là, on est vraiment dans une logique où on va jusqu'au bout. Et voilà, nous, on a travaillé sur un projet de cornets de frites, de saladiers de frites. Donc là aussi, comment des designers se sont emparés de cet objet un peu iconique pour aboutir, après plusieurs réflexions, voilà, un objet un peu plus... une sorte de diamant, si je puis dire, à partir duquel, voilà, on va pouvoir nous développer des objets, les vendre, qui font référence à la frite, en tout cas à l'ustensile qui permet de les transporter. Donc tout ce travail culinaire que je vous ai présenté, on va pouvoir le retrouver dans un gros projet que nous avons sur le site du 11-19, qui est un gros site, un ancien site d'extraction minière à proximité du Louvre-Lens. On a un projet de Food Lab, donc comment le campus des métiers et des qualifications travaille à nos côtés sur l'implantation, voilà, d'un laboratoire, un lieu éducatif, cuisine, tourisme, design, avec une vraie programmation. L'idée, c'est que les jeunes ou les moins jeunes se forment aux gestes. Évidemment, on sait qu'on a aussi une pénurie en termes de ressources humaines. C'est comment, si on intéresse avec des démarches plus créatives, plus contemporaines, les jeunes ou les moins jeunes, à revenir dans les métiers de la restauration. Donc là, sur ce site-là, on va travailler aussi avec un chef étoilé, 2 étoiles, pour voilà, imaginer une programmation autour de la cuisine issue du Nord, issue de ce bassin industriel. Alors, un autre produit, une autre filière qui est importante dans le Nord, c'est le lin et la dentelle. Donc on parle souvent de la dentelle de Calais, mais la région des Hauts-de-France produit beaucoup de lin aussi, avec la Normandie. Donc comment on va nous mettre en valeur cette filière à travers des foulards, des écharpes. Donc là aussi, on a travaillé à des écharpes qui ont une couleur voilà, grise, qui rappellent à la fois le ciel ou le charbon, mais aussi avec des motifs issus du bassin minier. Alors ce travail s'est fait en collaboration avec des Japonais, donc là, qui sont très forts en teinture végétale. Donc là, on a une coproduction, une collaboration avec une marque, et ça ne s'invente pas, une marque japonaise qui s'appelle Pas-de-Calais. On l'a découvert il y a déjà quelques années. Pourquoi elle s'appelle Pas-de-Calais ? Parce que le directeur artistique de cette marque était originaire du Pas-de-Calais. Et ce qui est intéressant pour nous, donc ils sont dans nos codes. C'est une entreprise qui vraiment reprend nos codes de valeur, nos codes couleurs, et l'esprit dans lequel on développe nos produits. Et ils ont 2 boutiques à New York, plusieurs boutiques au Japon. Ils avaient une boutique à Paris qui malheureusement a fermé. Donc on va collaborer et faire du co-branding avec eux pour déployer à la fois nos produits et évidemment vendre la destination touristique avec. Donc là, vous voyez, il y a eu des shootings photos avec une mannequin japonaise. Donc il reprend, vous voyez, des éléments du industriel du... un chevalement de mine, par exemple. Voilà, des shootings photos dans le musée du Louvre-Lens. Évidemment, ce qui intéressait les Japonais aussi, c'est de s'appuyer sur la marque Louvre, bien entendu. On joue là-dessus. C'est une force pour nous. C'est un vrai cheval de Troie pour conquérir des marchés, faire d'exportation. Voilà, toujours des shootings photos face au musée du Louvre-Lens. Donc voilà, donc là, on a travaillé et on continue de travailler, d'ailleurs, avec cette société japonaise, sur de la teinture végétale à base d'écorce de bouleau. Donc le bouleau est très présent sur les sites miniers, il pousse très bien. Donc à partir des écorces, eux vont travailler de la teinture végétale avec nous. On va travailler aussi de la poussière de brique avec eux. Comment faire de la teinture avec de la poussière de brique. Ce qui intéresse beaucoup les Japonais, comme nous, c'est vraiment le récit. Qu'est-ce qu'on raconte à travers l'objet? Quelles sont les valeurs de cet objet? L'histoire humaine, l'épopée ouvrière et minière les intéresse beaucoup. Les valeurs humaines sont très importantes pour eux. C'est pour ça que cette collaboration fonctionne très bien. Un autre projet qu'on a co-construit avec les habitants, c'est voilà, plutôt dans la gamme publication. Dans le cadre d'un programme européen, nous avons associé les habitants à créer un guide émotionnel. Donc, sur l'agglomération de Lens-Liévin, on a fait avec l'agglomération un appel à participation des habitants
Venez raconter votre petite histoire, votre histoire, vos anecdotes. La petite histoire qui rentre dans la grande histoire du Louvre ou de l'UNESCO. Qu'est-ce qui vous paraît quelles sont les pépites de ce territoire? Donc là, on a travaillé avec des photographes, avec des rédacteurs, et puis on a interrogé une centaine d'habitants, de professionnels qui sont venus raconter leur histoire. On les a compilés, donc ce sont des petites histoires. L'objet, j'en ai pas un, mais peut-être qu'Emilie en a un au stand, je ne sais pas. Non. voilà, il est en forme de brique d'ailleurs, et il a très bien marché. C'est-à-dire que du coup, les gens l'ont acheté dans les Furets du Nord, dans les librairies. Voilà, bah tiens, tel, c'est la petite histoire. Oui, ça me rappelle mon enfance. Hein, oui. Donc il y a différentes histoires autour de la mine, autour de la Première Guerre mondiale, autour du sport, autour voilà, des petites anecdotes, et puis des petits lieux intéressants d'un point de vue paysager aussi. Donc c'était comment on fait rentrer l'habitant aussi dans la création de la destination. Et là, c'était à travers un guide émotionnel. On aimerait bien le déployer aussi sur d'autres territoires du bassin minier, parce qu'il a très bien fonctionné, peut-être sous d'autres formes. Alors, prochainement, là, on travaille avec... vous savez que c'est un territoire où il y a l'industrie automobile est très, très présente. Donc, je vous parlais du Japon, c'est pas pour rien, parce que Toyota Valenciennes, l'usine Toyota Valenciennes, avec qui on a des échanges, fait venir régulièrement des cadres et des ingénieurs japonais, donc on a un vrai tourisme d'affaires. Et puis l'usine Renault de Douai nous a commandé, avec l'office du tourisme de Douai, la création d'un objet pour les visites et les découvertes d'entreprises. Donc comment la future Mégane électrique, Mégane E, à partir des chutes de cette Mégane, de sa construction, on va travailler aussi avec des designers, un objet un peu iconique, qui parlera à la fois de Renault, qui sera vendu par l'office du tourisme, vendu évidemment... dans la boutique Renault. Donc ça, c'est un travail qui va associer aussi les ouvriers de chez Renault. Donc on est vraiment dans une logique un peu d'inclusion sociale, en tout cas de participation des salariés à la réalisation d'un objet. Donc ça, c'est une belle opération, puisque le tourisme de découverte économique, c'est un axe sur lequel on voudrait aller plus loin. Alors tous ces objets, je ferai une synthèse de tout ce qu'on a produit. On développe voilà, des lieux de distribution. Là, c'est encore une autre marque japonaise. Là, c'est dans un site, c'est la marque Gokendo qui vend nos produits aussi au Japon. Donc, on développe voilà, un réseau de distribution avec une PLV, un meuble sur lequel on retrouve les objets. Alors, beaucoup dans les offices de tourisme de la destination, à la boutique du Louvre-Lens, dans certaines boutiques de déco spécialisées. Donc, voilà, on a aussi travaillé un meuble assez sobre et fonctionnel que l'on place et qui permet de faire parler de nous. Là, c'est l'office de tourisme de Lens-les-Vins, donc très beau bâtiment d'art déco qui a été repensé, mais qui a été gardé dans son jus, dans lequel voilà, on va retrouver l'ensemble de nos produits, mais aussi avec les autres produits de l'office de tourisme. Donc l'idée, c'est de bien intégrer nos produits dans une scénographie globale et d'être comment dire, voisin avec d'autres produits locaux. L'idée, ce n'est pas que tous les produits issus de ce territoire soient sous la marque Hall, mais c'est d'être ensemble sur... des produits qui ne sont pas concurrents. Musée de la mine de Lawarn, plus grand musée de la mine en France. Donc là aussi, on retrouve nos produits qui sont vendus aux 120 000 visiteurs qui passent chaque année, 550 000 au musée du Louvre-Lens. Et voilà, et comme je vous le disais, une présence voilà, dans des grands malls à Tokyo. Donc c'est intéressant pour nous, c'est dans notre démarche, c'est de réassurer, de donner confiance à une population qui parfois a souffert, mais du coup, de dire, ben évidemment, tout ce qui t'entoure, tout ce qu'on a pu produire, ça intéresse, même au cœur de Tokyo, et on arrive à vendre nos objets, nos produits en face de chez Cartier. Donc aussi, cette logique-là pour nous, de dire, ben, la force, si on a vraiment une démarche très créative, très ancrée, où il y a des valeurs, on raconte un récit, une histoire très authentique, on arrive à placer nos produits et à les mettre en haut du podium dans certains espaces de vente. Alors le Louvre Abu Dhabi, oui, c'est un des discussions que nous avons avec ce musée, puisque vous savez qu'il a été inauguré après le Louvre-Lens. Jean Nouvel l'a réalisé, très beau musée, hein, sur l'île des musées d'Abu Dhabi. Ce qui est intéressant avec les Émirats, c'est qu'on est un peu dans la même logique. Ils doivent aussi se réinventer par la culture, c'est ce que fait Abu Dhabi. Le Qatar le fait sur le sport, Abu Dhabi mise beaucoup sur l'intelligence, et les universités et la culture. Donc là aussi, comment ils pensent l'après-pétrole? Nous sommes dans une logique déjà dépassée d'après-charbon. Donc comment les énergies renouvelables, la durabilité a été enclenchée aussi par d'autres avec des vrais démonstrateurs, des plateformes solaires. Ici, à Abu Dhabi, c'est la même chose. Comment ils veulent changer leur image par la culture et penser l'après-pétrole. Donc là, on travaille
à des échanges et des discussions sur la diffusion de produits entre les musées. Mais même chose, c'est aussi pour nous un cheval de Troie pour des entreprises, des artisans, des PME qui viendraient derrière notre marque pour rentrer ou discuter avec les Émirats ou discuter sur le marché japonais. Donc c'est aussi pour nous un axe de développement économique et d'accompagnement de certaines entreprises qui ont envie d'accélérer leur présence sur ces marchés. Émilie Némette qui travaille à la mission sur la stratégie digitale et puis la création d'un site e-commerce qui va bientôt voir le jour. Donc là aussi, comment tous ces produits-là, on va leur donner encore une plus forte visibilité. Ils ont déjà une visibilité sur notre site internet autour du Louvre-Lens, mais là, il va y avoir un site de vente en ligne. On l'imagine au début d'année prochaine, fin d'année, qui va permettre d'exporter, de vendre, de déployer, en tout cas d'augmenter nos ventes, tout en racontant une histoire à côté de chaque produit. Alors le dépôt de marque, hein, c'est pas neutre. Alors là, c'est un peu raide comme ça, mais dès 2013, on a déposé à l'INPI la marque Hall et le graphisme. Si vous regardez dans votre univers, dans les univers de marque autour de vous, vous voyez que le groupe Accor aussi a déposé la marque. Hall, on le voit sur les maillots du PSG, par exemple. Ils n'ont pas le droit de la mettre seule. Donc nous, on était en discussion avec le groupe Accor. Donc Accor peut mettre Hall, Accor Live Limitless, et nous, on a vraiment déposé avant eux. Donc sur toutes ces classes, vous voyez, de la parfumerie, aux ustensiles de cuisine, tissus, eau minérale, communication, culture, sport, enfin, tout ce qu'on pouvait embrasser et tous les projets que nous avons aussi en batterie, toutes les thématiques qu'on pourrait être amené à travailler. Donc voilà, on a déposé. Ça, c'est vraiment aussi très important de le faire tout de suite en amont. Donc voilà toute la panoplie et la gamme d'objets que l'on développe, hein, du textile, des affiches, de la sérigraphie, des bougies au centre des terris, si je puis dire. Donc il y a un gros travail aussi sur cet aspect-là. La boule à neige iconique, hein, Pierre en parlait. Les savons issus avec des odeurs de houblon, de charbon, de chicorée. La lampe de mineur, des bracelets en lin. Donc voilà, tout notre univers de marque tourne autour des valeurs de la mine. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 12 designers qui ont travaillé à nos côtés, 14 entreprises et artisans, donc ça fait déjà un beau collectif. Une entreprise d'insertion, c'est vrai qu'on fait en sorte qu'on puisse être dans une logique d'économie sociale et solidaire, de comment cette dynamique aussi permet à certains soit de se qualifier, soit de se former, soit de trouver du travail. Donc une entreprise d'insertion qui est l'entreprise main forte de logistique, une entreprise qui nous aide à distribuer les produits, qui est dans une logique d'insertion, de formation aux chauffeurs, petits gabarits ou gros gabarits. 32 références à ce jour, et puis 13 points de vente. Donc là, on imagine qu'en 2022, on va encore augmenter la diffusion de ces objets et aussi peut-être quelques références. Je regarde l'heure. Ce que je vous propose, c'est de passer une petite vidéo qui retranscrit bien cet univers de marque. L'image du Louvre-Lens reflète bien, je veux dire, le savoir-faire des entreprises locales. Ce savon, de par sa couleur noire, trouve dans sa couleur toute son élégance. La bougie est un support, je vais dire plutôt le parfum. Ce qu'il incarne, c'est une interprétation de l'esprit, c'est-à-dire le lien entre le passé, le présent et le futur. Elle pousse en secret, dans le noir, et elle se révèle au plein jour par sa blancheur.
les trombones représentent le terril, le beffroi, les corons, les symboles forts de notre secteur géographique. C'est une fierté pour nous et en même temps une opportunité pour pouvoir faire redécouvrir notre industrie passée qui existe toujours autour du lin. Ce qui est intéressant dans la marque Hall, c'est de venir puiser dans l'ADN qui est hyper fourni de l'histoire de la région et de l'appliquer à des usages ou à des produits d'aujourd'hui. On doit avoir un meuble qui met en évidence les produits sans prendre le dessus et donc finalement qui doit être neutre, mais également premium. Le territoire, c'est le savoir-faire. Travailler avec des fabricants locaux, des process de fabrication. Après, c'est aussi un paysage, des images qu'on peut aussi exploiter, qui sont une source de créativité. Chaque livraison que je fais des produits avec main forte se font dans des lieux exceptionnels. La marque Hall autour du Louvre-Lens représente pour nous une destination à l'international. Hall around the Louvre-Lens. Hall autour du Louvre-Lens. Hall autour du Louvre-Lens. Hall autour du Louvre-Lens. Autour du Louvre-Lens. Hall autour du Louvre-Lens. Aujourd'hui, la couleur noire est devenue un symbole d'élégance et de raffinement pour tout un territoire. Donc voilà, en résumé, en 4 minutes, et je remercie Émilie, qui est ma collaboratrice, qui travaille beaucoup sur les questions de l'image et qui a réalisé avec des prestataires ce beau clip. On en a d'autres, d'ailleurs. Mais voilà un peu l'esprit dans lequel on travaille. Donc je vous disais que la question de l'économie sociale et solidaire est très présente. Il y a un lycée professionnel, un lycée de plasturgie du côté de Béthune qui est à nos côtés. Donc les professeurs travaillent, on l'a vu dans le film, sur des trombones en plastique. Donc on leur demande aussi de réfléchir à des prototypes. Donc ça, c'est bien intéressant. Et puis on a un projet de coopérative qu'on aimerait voir le jour en 2022. Donc comment on associe artisans, designers, distributeurs, fabricants, dans une logique de commercialisation d'objets. Donc là, on est dans une logique de création de coopérative. Et là, le département du Pas-de-Calais a délibéré pour rentrer au capital des coopératives et d'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est un beau projet qu'on souhaiterait mener en 2022. Voilà, je serai pas plus long. Je laisse la place aux questions si vous en avez. On a pour projet d'arriver à 1 million de chiffre d'affaires dans 5 ans avec le recrutement de 3 personnes. Là, pour l'instant, il y a une chef de projet qui est dans l'équipe de la mission, qui travaille sur le projet de coopérative. L'objectif, c'est d'arriver au 1 million de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est tous les cadeaux protocolaires qui nous sont demandés par les collectivités, que ce soit la région, département, agglomération. Donc on vend beaucoup aussi aux collectivités qui emmènent un objet identitaire, qui raconte une histoire et on ramène un bout de voyage à la maison. Je rappelle que l'objet souvenir, c'est la 3e intention d'achat des visiteurs. Donc il ne faut pas le rater. Oui. Alors la gouvernance, notre mission, elle est née du contrat de plan État-région.
financement département-État. Elle est portée par l'Agence de développement touristique Pas-de-Calais Tourisme. Le département du Pas-de-Calais a fait la même chose pour le tunnel sous la Manche, grosse infrastructure qui arrive. On crée une mission d'ingénierie touristique et d'attractivité. Là, c'était pour la Côte d'Opale. On crée un statut associatif. Ici, c'est différent. On intègre la mission dans l'Agence de développement touristique. Donc, nous, on profite des fonctions support et des spécialistes en marketing et en communication de l'agence. Et ensuite, donc, le financement continue d'être assuré sur certains projets, soit par les agglomérations, soit par la région, soit par l'Europe, soit par l'État. Mais le fonctionnement de la mission en tant que telle, c'est le département du Pas-de-Calais principalement. Oui, toute la création des produits, des nouveaux produits, les prototypes, les designers sont payés donc par le département du Pas-de-Calais ? Oui. Alors, tout dépend. Parfois, il y a des financements d'État. Mais aujourd'hui, oui, dans notre budget, nous avons des lignes de budget qui sont la co-création, l'appel à des designers et des créatifs. Oui. Pour l'ensemble de la mission, ben ça aussi, d'année en année, ça tourne autour entre 700 000 et 1 million. Ça a pu monter à 1 million d'euros au départ, en fonction des aides et des projets qu'on porte. Donc on est une petite équipe de 5 personnes. On pense et on travaille beaucoup avec des spécialistes et des experts autour de nous, en fonction des projets, que ce soit hôtelier, projet de produits dérivés ou d'aménagement d'espace. Là, on travaille sur un programme Europe Créative, pour le mois de mars, donc comment l'Union européenne va venir accompagner nos ateliers de co-création, toute notre démarche design, que ce soit la création de produits, de services, d'objets souvenirs. Mais la question. Là, actuellement, vous avez, une démarche publique, peu importe si elle est départementale, régionale, nationale ou européenne, qui accompagne, j'ai envie de dire, une démarche de R&D, hein, pour faire court. Hein. Ce qui est très bien, bon, sur plusieurs années, ce qui représente quelques paires d'euros. Avec le projet peut-être d'une coopérative, peut-être SIC d'ailleurs, j'imagine. Le modèle économique à terme, est-ce que c'est vraiment de garder ce portage-là ou de travailler sur un concept, puisque vous avez fixé la base des valeurs et de la marque, de plutôt travailler sur une logique de pourquoi pas de franchise et de laisser le privé émerger, enfin oui, d'avoir peut-être plus de liens entre le public et le privé. Quoi. Alors, les liens, comme vous avez vu, entre public et privé, nous, l'idée, c'est vraiment de décloisonner. Hein. Évidemment, le monde du tourisme est très présent à nos côtés, hein, où les opérateurs, les grands équipements, c'est vrai qu'on fait rentrer d'autres acteurs. Donc, c'est notre approche. Après, sur le portage des opérations, nous, notre rôle, c'est bien d'amorcer, comme vous le dites, on est vraiment dans une logique de laboratoire, de R&D. On a, par exemple, porté les fêtes de la Sainte-Barbe, fête traditionnelle, pour laquelle on a redonné un peu une tonalité un peu plus contemporaine autour du feu, par exemple. On l'a porté pendant 2 ans. Aujourd'hui, c'est l'Office du tourisme de l'Ancien Vin et l'agglomération qui le porte. La coopérative, oui, qui sera en SIC SAS. L'idée, c'est qu'on puisse amorcer toute cette dynamique. Si ça fonctionne bien, oui, on le confie à notre opérateur ou on crée une structure ad hoc pour porter ou déployer l'opération. Ça peut se faire pour d'autres actions, mais en particulier sur ces deux-là, on peut les confier à d'autres. Si le monde économique ou le monde artisanal a envie de s'en emparer, on va amorcer, on va les accompagner sur la première année, la deuxième année, voire la troisième, de manière dégressive, mais ensuite... C'est pas à nous de tout porter. Et c'est pas non plus le rôle d'une agence de développement touristique. Par contre, oui, il y a l'innovation, la créativité, l'expérimentation fait partie de notre feuille de route. Et là, on a cette chance de pouvoir avoir une confiance du département sur cet aspect. On est bien. Merci à vous.